نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ورفع السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسيا تميد بكم، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، إخواني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، مش أفخار، الله سبحانه عز وجل عزيز كريم، مش أفخار، الله سبحانه عز وجل إلى لا بويسانس، إلى لا كليمانس، إلى لا جينيروزيتي. يا إخوة، الله سبحانه عز وجل هو الذي خلقنا وهو الذي يربينا، مش أفخار، سي الله سبحانه عز وجل كي نوزا كريي اي سي لوي كي نوز إيدوك. سي بور سا كالله تعالى تلوجي سانز أغي كل يوم، وأنت تكرر هذه الصورة العظيمة في صلاتك وأنت تقول الحمد لله رب العالمين. Tous les jours, tu répètes dans toutes tes rak'a cette sourate énorme, la plus immense des sourates du Coran, c'est sa sourate Fatiha. Tu dis le premier verset, Alhamdulillahi Rabbi l'alamin. Rabbi l'alamin. Ça veut dire éducateur. Alladhi yurabbina. Rabbi l'alamin, c'est lui qui éduque le monde entier. C'est lui qui éduque l'univers. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui s'occupe de nous. Alhamdulillahi Rabbi l'alamin. Ayyuhal ikhwa. Allah subhanahu azza wa jal, huwa alladhi yurabbina, c'est lui qui nous éduque. Donc c'est lui qui nous donne des ordres. Huwa alladhi yasdur al-awamir, c'est lui qui donne les ordres. Ya akhi, Allah subhanahu azza wa jal, c'est lui qui nous a dit dans le Coran et Sunna que chaque chose tu dois un devoir. Laka haq wa alayka haq. Tu as un devoir, on a des devoirs envers toi et tu as des devoirs envers les autres. قلنا أن لنا حق وعلينا حق. الله سبحانه عز وجل nous a donné des ordres. On a des devoirs envers qui? لنا حقوق. علينا حقوق envers qui? الله له حق. Et le prophète له حق. Et les compagnons لهم حق. Et ton épouse لها حق. Et tes enfants لهم حق. Et la mosquée لها حق. Mes chers frères, on doit des devoirs. On a un devoir envers Allah. On a un devoir envers le prophète. On a un devoir envers les compagnons. On a un devoir envers la mosquée. On a un devoir envers les épouses. On a un devoir envers nos enfants. واليوم إن شاء الله سنتدارس فيما بيننا من الحقوق علينا. Parmi les devoirs qu'il y a sur nous, حق الطريق. حتى الطريق que tu vois devant toi, لها حق. الله il a créé la route. لها حق. Tu circules sur une propriété privée. Tu fais pas ce que tu veux. فالحديث, écoute-moi bien. الحديث رواه البخاري ورواه الطحاوي في مشكل الآثار ورواه الإمام البخاري في مفرد في أداب المفرد. C'est quoi ce hadith? عن أبي سعيد الخضري رضي الله تعالى عنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم إياكم مثل vous إياكم والجلوس في الطرقات. وجاءت في رواية في الطحاوي إنها مجالس الشيطان. Le prophète va nous mettre en garde de rester dans la rue. إياكم والجلوس في الطرقات. Méfiez-vous de rester dans la route. فقالوا صحابة ما لنا بد ما لنا أماكن أخرى. On n'a pas d'autre endroit, يا رسول الله. On n'a pas d'autre endroit. On s'est réunis pour discuter. فقال عليه الصلاة والسلام فإن كان لابد. Si vous avez pas d'autre choix, فأعطوا الطريق حقها أو حقه. Donnez à la route son devoir. فقالوا يا رسول الله وما حق الطريق. C'est quoi le devoir de la route? C'est quoi? Que tu sois seul ou qu'on soit en groupe? C'est quoi? Le fait que tu te mets dehors tout seul ou en groupe, vous avez des devoirs. فقال عليه الصلاة والسلام غضوا البصر. Baissez le regard. وَكَفُّ الْأَذَى. Écartez ton mal. وَرَدُّ السَّلَامِ. Rendre le salam à celui qui te passe.
والأمر بالمعروف خشي لو بيان والنهي عن المنكر انترديغ لو مال. سي سكون با ايتودي سي 5 بوين لا. قال عليه الصلاة والسلام لو برومي بوين غض البصر. غض البصر بيسي لي زيو. يا إخوة vous savez qu'Allah تعالى nous a donné ses yeux, نعمة كبيرة. C'est un bienfait d'Allah. Et le regard, Allah il nous a créé les yeux, c'est pourquoi? C'est pas pour regarder le haram. Au contraire, c'est pour regarder le halal. Allah il s'est vanté dans le Coran, الذي جعل لك عينين ولسانا وشفتين. Allah il s'est vanté de t'avoir créé des yeux. Et pourquoi faire ces yeux? Allah ta'ala t'a dit avec ces yeux-là pour que tu puisses contempler la création. بهذه الأعين حتى تتدبر في خلق الله لأن الله تعالى قال وآيات للموقنين وآيات في الأرض وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. Vous avez des signes sur terre et sur vous-même, ne le voyez-vous pas? والله تعالى يجي قل انظروا, regardez, قل انظروا, utilisez ces yeux-là, قل انظروا كيف بدا الخلق. Comment Allah a commencé la création. يا الله يجي dans un autre verset قل انظروا ماذا في السماوات والارض. Regardez qu'est-ce qu'il y a dans les cieux et les terres. فالله يسوي il nous incite à regarder avec les yeux, à contempler la création et à contempler la création qui est dans les cieux et dans la terre. حتى la nourriture que tu manges, une seule eau elle descend du ciel, ماء واحد ينزل من السماء, il est transparent, il est blanc. On sait c'est quoi. ولكن الله تعالى يتجي regarde فلينظر الإنسان إلى طعامه. الله تعالى يتجي regarde cette nourriture que tu es en train de manger. C'est une seule terre, elle est marron. C'est une seule eau, elle est transparente. Regarde le résultat. انظر ماذا تخرج هذه الأرض. Elle te fait sortir des fruits jaunes, rouges, verts, violets, roses. Elle te fait sortir des légumes. Elle te fait sortir des fruits amers, trop sucrés, un peu sucrés, avec des pépites, des noix, sans noix. Hadi, une seule eau. فالله تعالى te dit, انظر تدبر, regarde. فلينظر الإنسان إلى طعامه. C'est là que tu dois utiliser les yeux. Pas utiliser les yeux dans le haram. Ne pas utiliser dans le premier passant que le haram. Quand je vous dis ne pas utiliser les yeux, ce n'est pas que vers les femmes. Même quelque chose qui est beau, que tu as peur que ça te rentre dans le cœur. Tu vois une très très belle voiture. Tu vois une très très belle villa. Tu vois une très très belle femme. N'importe quoi que tu désires, ne le regarde pas. Si tu sais que tu vas être touché, tu vas être influencé. Ça y est, Allah Ta'ala dit au prophète, ne regarde pas les bienfaits qu'on a donnés aux kuffar. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. يا محمد, ne sois pas touché, ne regarde pas ce qu'on a donné aux kuffar. On leur a donné pour les mettre en épreuve. Mais si tu sais que tu vas regarder une villa, elle va te toucher, ou une voiture, elle va te toucher, ou des habits, ils vont te toucher, ou une femme, elle va te toucher, baisse le regard. فكان الإمام مالك رحمة الله عليه, que vous connaissez, كان عالم من العلماء, عالم المدينة, un grand savant qui habitait à la Médine à l'époque, il s'appelait l'imam Malik. فهذا الإمام مالك, c'est lui qui nous rapporte cette histoire في كتاب المنتظم لابن الجوزي. فسي quoi cette histoire? فكان رجل من الصالحين, il y avait un homme pieux, il s'appelait Younes ibn Yusuf, un homme, après, رجل من الصالحين, Younes ابن يوسف رجل من الصالحين. كان يمشي في الطريق, il marchait, il allait avec son petit enfant dans la mosquée, et elle a traversé une jeune fille belle qui était remplie de tentations, hein? Quand il l'a vue, il a su qu'il a commis un péché. Fait de suite, رفع يديه إلى السماء وقال يا الله, tu m'as donné ce regard, tu m'as donné des yeux, حتى انظر إلى خلقك, حتى انظر وأفكر في خلقك, jusqu'à que je regarde tes créations. ولكن je viens de commettre une erreur. اللهم أعطيتني هذا البصر نعمة, اللهم لا تجعله نقمة. Fait que ce regard ne devient pas, il ne se retourne pas contre moi. اللهم enlève-moi la vue. Une erreur qu'il a faite, hein? اللهم enlève-moi la vue. فالله سبحانه عز وجل a rendu aveugle. طيب, pendant des mois et des années, il allait à la mosquée mesquine aveugle. Il allait toujours avec ce petit enfant. Jusqu'à qu'un jour, il s'est produit ce qui s'est produit. حدث ما حدث, دخل المسجد
فاتكى الى اسطوانه المسجد سي ابيي سو ان دي بيلي دو لا موسكي. والولد ذهب يلعب مع الغلمان. Et l'enfant il est parti s'amuser avec les jeunes. Et le vieux mesquin, il lui arrivait un mal de ventre. Enfin, il a pris des pierres, il jetait sur l'enfant comme d'habitude, qu'il appelait, viens. Voilà que l'enfant il était préoccupé à jouer avec les enfants. Enfin, hatta il a eu mal au ventre. Il avait peur de se faire sur lui-même. Je t'ai demandé de m'enlever ce regard pour pas qu'il soit, il se retourne contre moi. Voilà qu'il y a Allah. Au jour d'aujourd'hui, j'ai besoin du regard. J'ai besoin de mes yeux. Pour pas que je sois dévoilé devant les gens, je vais faire sur moi, je vais me dévoiler devant les gens. Allahumma, je te demande de me rendre les yeux. Allah subhanahu wa ta'ala lui a rendu les yeux. L'imam Malik te dit, je l'ai assisté quand il est devenu aveugle et je l'ai assisté quand Allah ta'ala lui a rendu la vue. Allah nous a donné les yeux. Et les yeux, justement, c'est pour s'approcher vers notre Seigneur. Hadil a'yun. نحن نستعملها لمرضات الله ليس لغضب الله. Malgré que c'est dur les frères, je le sais, c'est très très dur de baisser les yeux. ولكن si tu laisses quelque chose pour Allah, Allah subhanahu wa ta'ala te récompensera يوم القيامة. Peu ou beaucoup, tu laisses un peu pour Allah, Allah سيجازيك يوم القيامة. Ce peu là, ne le sous-estime pas يا أخي. لا تحقر. Ça se peut qu'une fille elle passe, tu baisses le regard, c'est ce baisse de regard qui va te rendre au paradis. لا تحقر. Rasoul dit ne sous-estime aucun acte. Même en rencontrant ton frère avec le sourire, ce sourire aujourd'hui que nous ne donnons pas d'importance, il te fait rentrer au paradis. Alors imagine baisser le regard. Avec la fitna qui court en ce moment, quand vous voyez ce qui ne doit pas se voir, baissez les yeux. Et ça surtout pour les frères qui s'assoient droit. Donc le premier devoir qu'on doit à la route, awwal haqq, haqq al-tariq alayna an narudd al-basar. Ya Allah ta'ala l'a dit dans le Coran. وقل للمؤمنين يا محمد جيو خويان وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. الله جيو خوفات جيو خويان كي بس une partie de leur regard. Si Allah nous aurait dit baisser le regard complètement, ça serait haram de regarder à qui que ce soit, même de regarder ton frère, ton mari, ton père, ça serait haram. ولكن الله il a été précis dans le verset, il a dit جيو خويان كي بس une partie من للتبعيد من أبصارهم. لكن quand il arrive au sexe, Allah Ta'ala dit وَيَحْفَظُوا مِنْ فُرُوجِهِمْ. Il n'a pas dit مِنْ, il a dit فُرُوجَهُمْ. Et là, ils doivent protéger leur sexe. Et là, Ibn Qayyim al-Jawziyya dit pourquoi Allah a cité le verset baisser le regard et préserver le sexe. Pourquoi? Parce que le ministre du sexe, c'est le regard. وَزِيرْ الشَّهْوَ. Quand tu as envie, c'est le regard. Sans regard, tu n'as pas envie. C'est quoi qui pousse la personne à avoir envie? C'est le regard. C'est lui qui cause tout. Donc c'est pour ça qu'Ibn Qayyim al-Jawziyya il dit méfiez-vous ce regard, il faut l'utiliser dans la satisfaction d'Allah. Le deuxième devoir, on s'écarte du mal, on ne fait pas du mal aux gens, les gens qui sont debout, femmes ou hommes, de toute façon les femmes elles n'ont rien à faire d'autre. On ne devrait pas faire du mal, au contraire tu vois du mal. Comme a dit le hadith sahih, كان رجل يمشي في قارعة الطريق. Il y avait un homme, il marchait sur la rue. Il a trouvé une branche. C'est pour ça que tout à l'heure je te dis ne sous-estime pas. كنت أقول لك آنفا لا تحقر من المعروف. Hein? Il a trouvé une branche, il a enlevé de la route. فالله تعالى lui a pardonné, il a fait rentrer au paradis. Ne sous-estime pas. Alors imagine, tu as lavé une pierre. Alors imagine, imagine. Ne fais pas du mal. Et quand tu vois le mal, écarte-le des frères. Écarte-le. Un homme, ya akhi. Regardez bien, ya ikhwa. قال عليه الصلاة والسلام المسلم le musulman المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. Le musulman c'est celui qui écarte le mal, celui qui écarte son mal avec ses mains et sa bouche envers les autres musulmans. Le vrai musulman c'est celui qui ne fait pas du mal avec ses mains ni avec sa bouche envers les autres musulmans. ولكن comment tu trouves aujourd'hui des gens ils sont debout dans la route et le premier qui passe ou la première qui passe ram critique. Hada, tu as vu lui, ah ben lui c'est ainsi. Tu as vu elle, ah ben elle c'est ainsi. Ya akhi, taqillah. Qu'est-ce que tu vas dire à Imam Allah yawm al-qiyamah si c'est du faux dans tes paroles? Fal mu'min, al muslim, il ne fait pas du mal, ni avec sa main, ni avec sa bouche, ni avec son regard. Il ne fait pas du mal. Au contraire, il est là pour préserver le mal. Ya Allah ta'ala, il dit, ya Rasul Sallam, il dit dans le hadith, man satara musliman satarahu Allah. Celui qui voile un musulman, Allah il le voilera yawm al-qiyamah.
ومن ذب عن عرض أخيه et celui qui vient au secours de la dignité de son frère. Déjà ils sont en train de parler d'un frère ou d'une sœur et toi tu viens tu défends. Tu dis que haram alaykoum, pourquoi vous faites ça? Hada la yajouz, pourquoi etc. Hein? فالله تعالى يذب عنك يوم القيامة. الله تعالى تسكورا يوم القيامة من النار. Attention la langue, ya ikhwa. Surtout les frères qu'on se soit dehors. Attention. T'imagines Aïcha radiyallahu ta'ala anha zawjat al-Nabi. C'est l'épouse du prophète. فقالت يا رسول الله حسبك من صفية. Elle m'a dit ya رسول الله عجيب صفية. Safia c'est l'une des épouses du prophète encore. Elle m'a dit عجيب صفية les petites de taille. Et c'est vrai les petites. Et Aïcha n'a fait que prononcer quelque chose de vrai. فقالت له يا رسول الله حسبك من صفية. فالرسول صلى الله عليه وسلم يتورني بعائشة التي يا عائشة ما هذا؟ Qu'est-ce que c'est cette parole? Elle est absente la Safia. Et tu viens de dire une parole? Regarde ce qu'il a dit le prophète صلى الله عليه وسلم. Il m'a dit يا عائشة, tu viens de dire une parole. Si on vient à la jeter dans la mer, elle change de goût. هذه الكلمة اللي صدرت منك يا عائشة لو ألقيت في بحر لمزجته. Elle aurait changé tout le goût de la mer. La mer, يا أخي. La mer. C'est pas une piscine, c'est pas une rivière, la mer. Et c'est pour ça que le prophète dit dans le hadith sahih, "Inna ar-rajul la yatakallam bi kalima la yulqi laha bal la tahwi bihi fi nar jahannam." Une personne il sort un mot de sa bouche sans qu'il y prête attention, elle le fait couler à l'enfer à 70 degrés, à 70 ans au fond de l'enfer. فلهذا يا إخوة نحن لما نجلس في الخارج, attention aux yeux. Deuxième chose, attention à la langue. Et c'est ce qu'ils font la plupart, 99% des frères qui s'assoient dehors, que ce soit nous, que ce soit les sœurs, Allah yahdina ou yahdihim, c'est ce problème-là. Personne n'est épargné de notre langue. Personne. Tu as vu lui? Lui c'est ainsi. L'autre jour, je lui ai demandé un service, il a dit. Tu as vu elle? Elle au port, je lui ai dit à la canne bière. Tu as vu lui? Tu as vu elle? Mais comme tu dis, on te dira yawm al-qiyama. Comme tu fais, on te fera yawm al-qiyama. Yawm al-qiyama, tu seras dévoilé devant tout le monde. Vous savez ce qu'il a dit le prophète alayhi sallam? Le Rasoul a dit riba. Vous savez riba? Les intérêts. C'est haram. C'est le seul péché. C'est le seul péché dans le Coran. Al-dhanb al-wahid. Al-kabir al-wahid dans le Coran. Allati Allah subhanahu azza wa jal madha qal? Fa'adhanu. Il a déclaré la guerre aux gens des intérêts. S'ils ne se repentissent pas. C'est le seul péché qu'Allah il a déclaré les guerres, la guerre aux gens qui ne veulent pas s'arrêter de faire les intérêts. Allah Ta'ala nous a interdit les intérêts. Walakin, vous savez, c'est le plus grand intérêt, c'est lequel? Le plus grand haram dans les intérêts, c'est lequel? Qala alayhi salatu wa salam wa arba riba. Le plus grand? Al-istitalatu fi irdi akhik. Parler, attaquer la dignité de ton frère. C'est le plus grand riba. Tu veux? Donc quelqu'un qui mange 1000 euros d'intérêt, c'est haram. Alors tu imagines celui qui attaque la dignité d'un frère ou d'une sœur? Il est plus pire que celui qui vient de manger 1000 euros de haram. Regardez notre langue, qu'est-ce qu'elle fait, ya ikhwa. فلهذا le deuxième devoir qu'on a envers le devoir qu'on a la route qu'on a envers la route, c'est de baisser les yeux et le deuxième surveiller le mal qui sort de nous, qui sort du cœur, qui sort des yeux, qui sort de la main, qui sort de la bouche. إياك ثم إياك. Le troisième devoir, النقطة الثالثة. أو الحق الثالث ما هو؟ رد السلام. Rendre le salam. Alors ce n'est pas dit donner salam. Parce que nous les gens qu'on est censé être dehors, c'est celui qui passe qui est censé nous donner le salam. C'est pas nous qu'on est dehors et quelqu'un qui passe, c'est nous qu'on lui donne le salam. Là. Alors ce qu'on dit, Al-Mashi yusallim ala al-qa'id. Celui qui marche, c'est lui qui passe le salam à celui qui est assis. Et le petit, c'est lui qui passe le salam au grand. Donc ici, ceux qui sont dans la route, Rasoul n'aura pas dit, ils donnent salam. Non, il a dit, rendent salam. Quand quelqu'un est salim alik, fa haq alik an tarud salam. Quand quelqu'un te passe le salam, tu lui rends salam. Et tu sais c'est quoi la récompense de salam? Atadri ya akhi, c'est quoi salam? Qala alayhi salatu wa salam wa al-hadithu sahih. إذا سلم عليك إنسان. Si toi tu passes le salam à un frère. Le hadith il est sahih. Si toi tu passes le salam à un frère. وهذا le frère il ne te rend pas le salam. فقال عليه الصلاة والسلام سيرد عليه السلام من هو خير منه. Il va lui rendre le salam
mieux que cette personne que tu lui as passé salam. C'est-à-dire référence aux anges. Al-Malaika. Quand tu passes salam à quelqu'un, et ce quelqu'un ne te rend pas salam, enfin, c'est les anges qui te rendent salam. Et tu dis alaykoum salam wa rahmatullah. Wa anta tadri ya akhi. Tu sais la récompense de salam, c'est quoi? Qala alayhi salatu wa salam. Il y a des tentes dans le paradis. Ghurafan fil jannah. Il y a des tentes au paradis de perles. Mais l'eau. A'addaha Allah. Allah, il a préparé ces tentes de perles au paradis pour ceux qui font nourrir, pour ceux qui passent salam et pour ceux qui prient la nuit pendant que les gens dorment. Cette tente, ces tentes-là qui sont au paradis, Allah, il les a préparées pour celui qui rend salam, pour celui qui fait nourrir, pauvre ou riche, pour celui qui fait nourrir et pour celui qui prie la nuit quand les gens dorment. Regarde le salam, ya akhi. Al-salam, là où une récompense énorme. Enfin, quand quelqu'un te passe le salam, haq alik, le fait que tu es en route, tu es sur la route, haq alik, c'est un devoir que tu dois de lui rendre salam. Tu dis wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wa qul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa man wala. Ikhwani, mes chers frères, on a cité trois devoirs. Mada qulna? Qulna غضوا البصر بسليه وقلنا كفوا الأذى اكرتي طمان troisièmement vient de dire ردوا السلام répondre au salam pas le frère te dit salam alaykum te dit ça va cousin salam alaykum ça va frère après que tu aies rendu salam ça va mais avant wa alaykum salam là et malheureusement parmi les signes de la fin du monde قال عليه الصلاة والسلام يأتي الزمان على أمتي إلى حديث ولو تروفي دان كتاب أشراط الساعة يوسف الوابل أو أي كتاب في أشراط الساعة parmi les signes de la fin du monde le prophète il a dit c'est malheureux mais parmi les signes de la fin du monde les musulmans ils vont pas venir à se repasser le salam il va peut-être que pour les gens spéciaux يأتي الزمان على أمتي يصير السلام للخاصة parce qu'il est de ma tribu parce qu'il est de mon pays parce qu'il m'aime bien parce qu'il m'a rendu service lui je lui passe salam les autres non. Et ça arrive aujourd'hui. Les frères, ils se rencontrent, il n'y a presque même plus de salam. Il rentre à la maison, il n'y a plus de salam. Il sort de chez lui, il n'y a plus de salam. Il rentre dans la mosquée, il n'y a plus de salam. On n'entend presque plus de salam. Presque, hein. Il y a un petit peu chez les vieux. Mais là, les jeunes, c'est rien qu'à quoi on se prend. Ça va cousin, ça va frère, mon cousin. Le salam, tu viens d'évoquer le nom d'Allah. Paix. As-salam. C'est un des noms d'Allah. Et dans le paradis, comme tu sais, قال الله تعالى في القرآن, dans le paradis, quand on va y être, ni tu entendras la distraction, ni tu entendras de vulgarité, ni tu entends des paroles futiles, tu entendras dans le paradis que salam. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلام. On n'entendra au paradis que salam. Si ça, c'est les gens du paradis, ils vont se passer que le salam. Si nous, on veut être parmi ces gens du paradis, donc on doit se ressembler aux gens du paradis. On doit se passer le salam. Jusqu'à que les compagnons, Esma'mi, il était avec son frère, Kanyemshi, Ma'ahihi, jusqu'au milieu, il vient un arbre ou un mur, ils se séparent, ils reviennent, ils se rencontrent, ils se repassent au salam. Wa ahakkuhum billah, wa afdaluhum. وَأَحَبُّهُمْ إِلَى اللَّهِ مَنْ بَدَأَ بِأَخِيهِ السَّلَامِ. Et le meilleur d'eux, c'est celui qui commence à donner salam avant son frère. وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامِ. Le salam, quand tu le donnes, il t'efface les péchés comme quand il y a un arbre, tu le secoues, toutes les feuilles elles tombent. Le salam, il t'efface les péchés. Fais donner le salam. Ça, c'est le troisième devoir qu'on a, qu'on doit quand on est dehors. Le quatrième, يَا أَخِي مَا هُوَ. الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ. Le quatrième, c'est prêcher le bien. Nous, aujourd'hui, on n'est plus des prêcheurs, rien. On n'est pas des prophètes. Taïb, on est écartés. On n'est pas des compagnons. Sahaba, nous ? Non. Nous, ulama ? Là. La dernière catégorie, le rez-de-chaussée, la cave, on est censé être des prêcheurs. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que l'imam al-Qurtubi dit dans le tafsir al-Qur'an, « Faslu bayn al-mu'min wal-munafiq al-amr bil-ma'ruf al-na'im » L'imam al-Qurtubi te dit la différence qu'il y a entre un croyant et un hypocrite, c'est la prêche. Si tu ne prêches pas, tu es tombé dans l'hypocrisie. Certes, un munafiqan,
Comment le croyant, tu vois le mal et tu dis rien? هذا ما يصير ابدا. لان الله تعالى يجي في القران والمؤمنون والمؤمنات. Les croyants et les croyantes, ce sont des alliés entre eux. بعضهم اولياء بعض. Ce sont des alliés entre eux. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. Ils prêchent le bien, ils interdisent le mal. اما المنافقين, les hypocrites, c'est le contraire. Ils prêchent le mal, ils interdisent le bien. Comment toi, يا مؤمن, tu arrives à un stade, tu ne fais plus rien. Ni tu prêches le bien, on va dire que tu prêches pas le mal, mais tu prêches pas non plus le bien. فأنت تو ميليو تي ني افيك لي كرويان ني افيك لي بوكريت مالغري كي بوكو دو علماء تو دي لو فات كو تو دون با تون دوفوار دو برانش دونك تي افيك او ميم سي تو بارل با تي افيك او باسكو ان مؤمن اي لي سانسي املي لو بيان. انتم تعرفون جيدا هذه القصه. كانت مرأة وفي روايه رجل يافي اون فام اذا في نوتر فيرسون دو حديث سيتي ان هوم اي اريفي دوفان ان بوي اي لي ديسندو دان لو بوي فنزل في البير التح وملأ عليه ماء وشرب ثم صعد الى غامبي شي شوسير دو الى بيل انسويت الى مونتي او كان تي مونتي او الى تروفي ان شيان سي با تون فرار محمد ولا حسين ان شيان فوجد كلبا يلهث من العطش الى تاسوا فيه فاي سي ساكريفي ان دوزيام فوا الى روديسندو دان لو بوي الى غامبي سا شوسير اي لو مونتي دو لو فشكر الله له. Allah subhanahu wa ta'ala, ça lui a satisfait ce petit sacrifice qu'il a fait pour le chien. Ne sous-estime aucun acte. Ne sous-estime pas. Pourtant, cette femme, c'est une prostituée. Dans le hadith, elle est citée, Bariya. Elle est descendue, elle a fait boire un chien. Allah, il lui a pardonné, il a fait rentrer au paradis. Ça, c'est un chien. T'imagines, tu amènes ton service à un croyant. Et moi, je vais vous citer trois hadiths sur quand vous prêchez le bien, qu'est-ce qu'Allah ta'ala vous a donné. Qu'est-ce qu'Allah ta'ala yu'atikum ou yu'atina ila nahnu amarna bil ma'ruf wa nahayna anil munkar. Premièrement, إذا أنت تأمر بالمعروف, الله سبحانه عز وجل يصلي عليك. الله سبحانه عز وجل يبخي pour toi. Et quand Allah يبخي pour toi, les anges يبخي pour toi. Et toutes les créatures elles prient pour toi. Jusqu'à qu'elle est venue la précision. Jusqu'à que la fourmi dans son trou, elle prie pour toi. Et le poisson dans l'eau, il prie pour toi. جاء في الحديث, إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في بحره لا يستغفرون لمعلم الناس الخير. تيماجين الله يتفوق الله تعالى يستغفرك devant toi tellement tu viens de faire un acte qui a satisfait ton Seigneur. الله يستغفرك de toi. الله يباهي بك الملائكة يفرح الله يجي regardez mon serviteur et les anges ils te demandent pardon et les créatures elles te demandent pardon jusqu'à que la fourmi. Toi, tu marches sur terre et la fourmi, elle est à 20 cm ou 30 cm, ta tête, sous un rocher, elle te fait doha. Et le poisson, dans l'eau, des milliards et des milliards de races de poissons dans l'eau, elle te fait doha. Regardez la récompense qu'on a quand on prêche le bien et on interdit le mal. Mais quand on arrête de prêcher le bien, on interdit le mal, il y a l'adab d'Allah qui vient. Comme vous avez vu autour de vous, pas plus tard qu'avant-hier ou avant-avant-hier. Ça, c'est quand on arrête la prêche. Quand on arrête la prêche du bien. Et quand on arrête l'interdiction du mal, la première récompense, Allah il évoque. La deuxième récompense, Esma' jayyidan ya akhi. Le prophète il a fait dua pour toi. Rasul sam qal, nazzara Allah imra'an. Qu'Allah illumine quelqu'un. Allah inshallah il nawwar wujhad al-insan. Qu'Allah il illumine le visage de ce quelqu'un. Qui? Celui qui entend de moi un hadith et il l'apprend et il le transmet. نظر الله امرأ سمع منا حديثا فوعاه فحفظه فبلغه. Il a appris, il a écouté, il a appris, il a transmis qu'Allah il illumine cette personne. Dua min al-Rasul, qu'Allah il illumine cette personne. Allah il nawwar hadha al-insan. Et vous savez très bien que le prophète sallam quand il fait dua à quelqu'un, vous savez est-ce qu'Allah il accepte son dua ou non? Vous connaissez la réponse. Ça c'est pour qui? C'est pour celui qui prêche le bien et interdit le mal. هذه هي الثانية ريكومبانس و الثالثة ريكومبانس يا اخي اذا انت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر on te dit pas toujours utilise la méchanceté utilise la vulgarité utilise la force non prêche avec le bien يا اخي تقي الناس احسن tu évites ça c'est pas bien الله تعالى pas content يا اخي évite ça الله تعالى te récompense avec des belles paroles on t'a pas dit va le brusquer ولا va le pousser ولا va le frapper ولا va le... هذا لا يجوز. Tu n'es pas président du pays, toi.
Tu n'es pas des gardes, tu n'es pas policier, tu n'es rien, toi. Toi, tu es censé transmettre le message à ton frère. Ton frère, il est en train de commettre des erreurs, tu vas, tu le secours. C'est pas, tu vas, tu le noies. Tu le secours, tu lui jettes ta bouée. Et ta bouée, c'est des bonnes paroles. Si tu ne donnes pas des bonnes paroles, garde-les pour toi, tes conseils. Garde-les pour toi. Si c'est pour aller, tu veux essayer de le sauver, tu l'éloignes encore plus. Tu vois quelqu'un fumer, tu dis qu'Allah il te maudit. Qu'Allah il te maudit. Tu fumes en plus, Khabib. Qu'est-ce que tu as gagné? Tu l'as éloigné ou tu l'as approché? Qu'est-ce que tu as gagné en faisant ça? Ça, c'est les paroles du prophète? Alors, ce n'était vulgaire quand tu prêchais? Vous avez entendu hier Abu Jahl et les ennemis d'Allah, qu'est-ce qu'ils faisaient contre le prophète? Et toujours le prophète, il gardait patience, il gardait le sourire, il leur prêchait les biens, il gardait toujours cette tendresse, cette douceur. Toi, tu es le fils du prophète, tu es censé représenter ton père. Où est cette douceur que tu as, cette clémence? Aïna, aïna, rahma, hadi, wa shafaqa, li fi. Daïman, kalamuka, qabi'a, wa fa'aluka, qabi'a, wa fikruka, qabi'a. Aïna, tazhab, fassa, ton chemin, koubaha. Faut que tu es censé représenter le prophète. فكيف كنا جي الله تعالى كم ريكومبانس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كيف كنا جي الله تعالى إلى جي ولتكن منكم أمة si elle a parmi vous une communauté elle prêche le bien et elle interdit le mal الله il a fini le verset الله انتهى الآية ب وأولئك هم المفلحون c'est ces gens là qui ont réussi c'est ces gens là qui sont gagnants c'est ces gens là qui يوم القيامة jour dans le paradis الله تعالى il veut de toi que tu sois actif tu vas tu restes les mains croisées. Tu es un représentant, toi, sur terre. Rasoul, avant de mourir, il t'a laissé responsable. Rasoul a dit, Fanny Oubel, lire le présent parmi vous au, à l'absent. Celui qui est présent, il transmet à l'absent. Hadi Mes'ouli a fait un okhik. Rasoul, il t'a donné la responsabilité de la religion sur ton dos. Elle n'est pas que sur les ulama ou sur les imams. Elle est sur vous tous. Wa tous al amam Allah yom al qiyama. Allah, il te jugera. N'oublie pas, tu passeras face à face, toi et Allah. Et Allah, il te jugera. Il n'y a ni traducteur, ni avocat, ni je fais appel, ni rien. Toi et Allah. Et Allah, il te jugera. Quand Allah Ta'ala va te poser la question, Abdi, pourquoi tu ne prêchais pas le bien? Je te donnais pas moi le bien? Il ne descendait pas de toi le bien? Pourquoi tu ne prêchais pas le bien? Qu'est-ce que tu vas répondre? C'est ça le signe de reconnaissance? L'i'tiraf bin ni'ma hadouwa? يا الله تعالى جد القرآن وأما بنعمة ربك فحدث les biens dont Allah تعالى t'a donné parle-en et trouvez-vous plus grand bien que l'islam regardez les gens secs sans islam regardez ce qui s'est passé il y a deux jours de ça ils sont morts ni dunya ni din et quand le adab d'Allah vient il prend les vieux les femmes les jeunes les bébés tout le monde demain il se passe une catastrophe ici à Marseille qu'est-ce que tu vas dire à même Allah qu'est-ce que tu vas dire à même Allah ماذا تقول Avec quoi tu es parti? Hadous qui sont morts, ils sont partis avec quoi? Les maisons, ils sont restés. La fortune, elle est restée. La voiture, elle est restée. La moto, elle est restée. Les habits, sont restés. Ses enfants, ils sont restés. Son épouse, elle est restée. Ses parents, ils sont restés. Et en plus, pas de dîme. Chaka! Chaka! Malheur des deux côtés, des deux mondes. On les suit. On est en train de perdre notre din et on les suit. Aïe, bien, et quoi? Oh musulmans, réveillez-vous. Les autres musulmans, ils ont besoin de nous. Il y a 1,5 milliard de musulmans, mais c'est que par nom. Combien sont les musulmans qui pratiquent qu'Allah il est satisfait d'eux? Tu les comptes sur les doigts. Les autres, on sait qu'ils sont perdus. Ils jeûnent pas, mais ils s'enlichent. Hadji! Comment la personne il est parvenu à un stade, il s'appelle Mohamed Walay Yusalli. Et chacun dans nos familles, arrêtez avec vos langues. Que foulissanakum. Qui c'est dans la famille qui n'a pas des gens tordus, même Rasoul. Rasoul avait dans sa famille des gens tordus. Combien des oncles du prophète n'ont pas voulu rentrer dans l'islam, Abou Lahab? Les compagnons n'avaient pas leur père qui ne sont pas rentrés dans l'islam. Ils n'avaient pas leur mère. Pourquoi tu as honte toi? Tu es en train de critiquer le frère toi. Toi tu es qui toi? Ton père est pris? Il prie? Bon, ça va chez ta mère. Ta mère a pris? Elle porte le hijab? Tes soeurs, ils portent le hijab? Ils prient? Tes frères? Tes oncles? Tes tantes? T'as un scrutin d'âme? Toi, déjà chez toi, il y a un chantier! Tu as un chantier à faire! Tu oses te moquer des frères?